Sitting in the back seat of your mother's car, there were forests on the way there. It rained all the way there. Sent some complex signals to the others on the road. I was sending all the mind beams. No one ever found me. Is there a word for the things we heard? Je suis en train de réaliser un patchwork pour faire une couverture. C'est la première fois que je fais du patchwork et j'ai décidé de faire une couverture de 1m20 sur 1m80. Ce n'est pas rien, donc c'est quand même très grand. Pour l'instant, j'ai cousu seulement toute cette partie. Mais il reste encore, c'est peut-être 1/5 de tout ce qu'il faut faire. Là, j'ai recousu une autre bande que je vais coudre aux deux autres. Et je vais avancer petit à petit. J'essaye de faire au moins une bande tous les jours. Et voilà. Donc j'ai coupé des carrés de 10 sur 10 et j'ai 12 motifs différents et 12 colonnes différentes. Donc j'ai mis un motif par ligne en les alternant. Donc il y a du bordeaux, du rose à fleurs, celui-là il y en a très peu, donc j'en ai mis, enfin ça c'est vraiment une toute petite chute, donc j'ai pu récupérer que quelques-uns. Donc il y en a un autre là, il y en a un autre là-bas, et il y en a un autre là, là et là-bas. Il y en a que quelques-uns, donc je les ai répartis dans tout le rectangle. Et sinon j'en ai mis, j'ai mis deux fois le même tissu si j'en avais pas. Donc après il y a du orange comme ça, du lin avec des petits points, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, du vert à petites fleurs, du bleu avec des motifs. Celui-ci, je me suis fait un vêtement hier avec, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup, je pense que c'est un de mes préférés. Un bordeaux comme ça avec des fleurs, le même vert, un vert foncé et un beige comme ça, un peu lin, c'est un peu cette matière. Donc voilà, tout ça c'est ce qui me reste à coudre, donc il y a encore du boulot. Pour large ça fait à peu près ça, donc j'ai cousu ça, cette rangée là que je vais rajouter à celle là. Et donc après, il me reste encore ça. Voilà. Fin mai, je suis donc partie en Bretagne pour quelques jours et les paysages étaient si beaux, même si j'étais très contente de rentrer et de retrouver les montagnes parce que c'est quand même très plat là-bas. Mais j'ai pu voir la mer, le champ à côté de là où on était merveilleux et le sentiment que j'avais quand je me baladais, c'était vraiment la liberté pure. C'était vraiment un chouette voyage et j'aime beaucoup la Bretagne. Parce que c'est assez sauvage et je vous laisse regarder les images que j'ai pu prendre là-bas pendant ces 5 jours. Le chemin du retour pour rentrer.
Mais c'est un beau souvenir, ce coucher de soleil. Bridge between worlds that makes you feel alone. Well, I wish that I had known you're alone. Well, I wish that I had known. Is it the bridge in my head? Après ces 5 jours, nous sommes rentrés à la maison. J'ai retrouvé mes poulettes d'amour. Les toutes premières fèves sont arrivées. J'ai aussi ramassé les premières cerises, encore un peu acidulées. On a aussi eu le droit à un orage dû aux fortes chaleurs qui sont arrivées aussi soudainement qu'elles sont reparties. Et quel sentiment enchanteur que de rentrer à la maison.
Ce rosier, il est vraiment incroyable. Le nombre de roses, c'est fou. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais partager quelque chose d'important à mes yeux. J'y ai pensé à plusieurs reprises. C'est qu'on peut vivre des choses difficiles et personne ne peut vous dire le contraire tant que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors ne vous blâmez pas de ressentir des émotions. On est tous humains, on peut pleurer, crier, autant qu'on peut danser, chanter et rire de joie de vivre. Alors observez, écoutez votre corps sans juger et tout se passera bien. À bientôt.